mais 10 bêtes de pour bête ça en rêve connaît ce diable qui vient attaquer. Regardez vidéo ça jusqu'à la fin, pas oublier like les sur message vidéo à partager le bayon l'autre famille l'autre ami, ou connaît que information ça a utile et abonner avec page là si vous faire ça comme ça pour capable encourager travail là. Sans pas oublier saluer quel que soit côté regarder vidéo ça, déjà moi remercie parce que vous fidèle avec nous sur ça et vous prenez le temps pour regarder vidéo ça. Et bien en avance bien rapide. Premier signe ou bien premier bête nous t'a capable porter pour vous amis pas dans vidéo ça, c'est là que ou rêver chef n'a dormi en bon créole ça nous relé cabrit là. Si toutefois ou fait un rêve comme ça, et bien c'est un signe qui montre que vie vraiment en danger, ou gain en pile difficulté qu'a passé, ou gain en pile gaspillage qu'a fait dans la vie. Ça veut dire la vie ou vraiment pas stable, vie ou vraiment pas stable, OK, ou besoin prier, ou besoin chercher. Eh bien, yon homme de Dieu ou bien yon servante de Dieu ou besoin chercher ce coup de prière pour capable joindre délivrance si toutefois ou même ou t'arrivé ouais c'est cabrit ouais nan yon songe, c'est vraiment important. Deuxième signe zanmi pam, deuxième bête nous pote pour une vidéo ça, c'est là ou rêve chien nan dormi, OK? Eh bien, chien nan dormi li pa yon bon bête du tout. Eh bien, souvent depuis ou rêve chien nan dormi, pour moun ki toujours rêve chien, eh bien, ou apwè le rêve chien souvent et li a fort difficile pour pas ouais, eh bien mariage ou vraiment pas stable, OK, mariage ou vraiment pas stable, relation vraiment pas stable, ça veut dire ou toujours eh bien si on monde eh bien tout bagaille vin un petit gens à l'envers pour vous, c'est comme si vie ou vraiment pas stable si toutefois ou si on monde soi-disant qu'a rêvé eh bien chien soit vin attaquer ou nan dormi zanmi pam, li pa yon bon signe. Dit tout si toutefois ou ta fait rêve ça ou ta doué briser là si toutefois ou ta wè si un chien qui vient attaquer nan dormi. Troisième signe et ou bien troisième bête nous pote pour nan vidéo ça, c'est là que ou rêve mouton nan dormi. Eh bien mouton et li pas forcément yon mauvais bête, OK, li pas forcément yon mauvais bête nan dormi. Le rêve mouton li représenter eh bien ou c'est yon enfant de Dieu, li représenter l'ange de Dieu, les ou représente ouais c'est yon mouton qui ou même ouais nan dormi. A veut dire si toutefois ou rêve bête ça nan dormi et ou pas besoin ba tête problème, li représenter ou c'est yon vrai enfant de Dieu. Quatrième bête nous pote pour nan vidéo ça, c'est le ou rêve yon bœuf nan dormi zanmim. Li vle di eh bien si yon moun ki vraiment fort, OK, kap kontrole vie ou et kap kontrole fami ou et li se yon esprit de Jezabel ou dwe travesel eh bien pour joindre délivrance ou. Par exemple, si toutefois ou est yon bœuf kap kouri deyo, gen moun ki souvent ou est yon gros bœuf noir kap kouri deyo, et souvent le ou est jan de et bête sa ou kap kouri deyo zanmim, eh bien et ou vraiment genye yon esprit Jezabel ka poursuivre vous et l'esprit Jezabel ça poursuivre vous, eh bien il est capable faire tomber dans ça que même ou pas t'envie tomber. C'est toutefois ou c'est une jeune fille, OK, eh bien en pile vieux bagaille ou capable commettre en pile vieux erreur dans la vie qui tout est dans l'église qui tout pas dans l'église. C'est toutefois ou ta wè, eh bien si on bœuf cap courir dehors li pa yon bon signe, dit tout ça veut dire ou gen un ennemi qui vraiment puissant, ou gen yon ennemi qui vraiment fort cap poursuivre vous. Mais nous connaît puissant pour puissant, puissant pour tout puissant, c'est l'Éternel qui est tout puissant. Ça veut dire, pas une force qui est capable de camper devant puissance, bon Dieu. Ça, faut que nous ajoutions. Cinquième signe, c'est le ou rêve lion, nan dormi. Le rêve bête ça qui c'est lion, nan dormi. OK? Li pas bon, et du tout. OK? Si tout, si ou rêve li attaque ou, eh bien, lion a gagné une puissance pour le dévorer. OK, li la pou dévorer la vie moun et li la pou eh bien dévorer santé moun. Ça veut dire si toutefois ou rêve si un lion qui attaque ou et nan dormi, eh bien ou capable et facile gagner problème santé. Si ou pas malade, eh bien c'est gado ka gado ouais, eh bien des maladies commencer à frapper ou. Ça qu'arrivé, OK, ou t'es ka senti eh bien santé t'es normal et puis l'on fin faire ça et puis ouais bagaille commencer a changé pour vous, ou a gen difficulté, ou a santé commencé par aller bien, eh bien, si toutefois, ou ta fait un rêve ou a si un lion qui attaque ou,
ou pas besoin et comme si chercher information l'autre côté, c'est briser rêve ça, dit me déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute attaque, que toute forme lion qui est mis en prend pour venir attaquer, pour venir bon maladie, moi déclarer dans les puissants nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute attaque ça yo sans effet et me briser toute attaque lion sous la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment important. Septième bête et moi porter pour vous dans vidéo ça. Et c'est le rêve poule ou bien coq, li représente dispersion limite dans l'esprit ou, ok? Septième bête, moi qui t'en pote pour dans vidéo ça, ok? Et c'est, nous te prenons sur le sixième là, et bien, nous prenons septième bête là, et qui c'est le rêve aigle dans domi. Et bien, aigle lui-même, li représente l'esprit bon Dieu, li représente élévation et succès. Par exemple, c'est toutefois où t'as fait un rêve ou c'est un égoué qui a volé dans dormi zanmi pam, lisse un bon signe ou pas besoin briser ou pas besoin al di, eh bien fréchal te di ou pou te briser et un rêve aigle ou t'es fait dans dormi. OK, c'est vraiment important, ça veut dire eh bien li vle faire connait que l'esprit bon Dieu lui-même li là dans la vie, l'esprit bon Dieu bon côté, l'esprit bon Dieu a contrôlé contrôler la vie, ok? Eh bien, tout déclaré parole ça même dit, moi réclamer esprit aigle sous la vie, qu'on y a même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou même cap garder vidéo ça, avant même d'aller plus loin, dit me réclamer esprit aigle dans la vie, dans dormi tant qu'on a j'éclair, que c'est à bam esprit aigle, que esprit aigle ça accompagne moi dans tout côté. Dans tout ça m'a fait, dans tout ça m'a pas reprendre, dans tout ça m'a rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Esprit bon Dieu accompagne ou, eh bien, ou pas gagner au capé. Ok? Eh bien, que succès marche, suivez-vous, que succès marche d'ailleurs, dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, saisis parole ça sous la vie ou, au nom de Jésus. Huitième bête, zami pam, c'est les ou rêver pigeon, eh bien, li signifie Saint-Esprit bon Dieu. Neuvième bête, le ouais, et eh bien nan dormi zanmi pam et c'est le rêve chat nan dormi, OK? Le rêve chat, et eh bien li représente la sorcellerie et malfaiteur et démon cap siveye, c'est tout ensemble des signes sa yo. Et par exemple, et eh bien gen le rêve un chat nan dormi, souvent c'est qu'on gagne quelque loup-garou ou bien quelque malfaiteur dans zone bon la caillou, OK? Quand il y a quelque mauvais jet dans zone bolakao, eh bien mon nage doit capable tourner chat pour venir tester ou bien pour venir faire yon mal, pour venir faire yon méchanceté. Ça veut dire ou supposé très prudent avec ça. Dixième bête pour nous capable terminer vidéo ça, pour nous pas faire vidéo à plus long, si le rêve toti dans dormi, li représente tromperie, OK? Li représente tout manquer fait pour progrès tout, OK? Li représente manque de progrès et nan vie et nan activité, ça veut dire tout bagay paraît lent pour ou, et je nous connais de la vie réelle tout si li même qui bête lié, et bien nan songe le ou même ou rêve toti, et bien Dieu lui même l'a montré ou gen en pile bagay qui pas bien marché, gen pile bagay jan pou yo te capable aller bien pour ou, et bien yo manke aller bien comme ça, gen bagay qui pas marché. C'est vraiment important, ça veut dire ou besoin prier pour bon Dieu lui même pour le capable accompagner dans tout ça que moi pour te prendre pour le capable et ba ou plus et esprit de succès, on prend pour le capable mettre plus et grâce pour le capable mettre plus et opportunité et bien sous tout et bien pour tout ça que moi pour te prendre pour le capable et bien passer bien. Si tu es arrivé là dans vidéo, c'est parce que vidéo ça t'est vraiment intéressant, pas oublier like li sur votre confesseur, partager et abonner avec page là sur votre confesseur. Et partagez le bayon l'autre zami ou l'autre famille. Et comme ça, ou capable d'orienter de yon bagay que li même li pat koné au sujet de l'élevé bête sa yon adobi qui sa ou vle di. Que bon Dieu bénisse ou que grâce à couvrir ou. Moi content pour m'ta avec ou nan vidéo sa. N'ap kwaze nan yon prochaine vidéo.